À 1 km au nord-ouest de la Punta Paraggiola, une série de pics rocheux s'étire vers la surface. Si les pitons les plus élevés sont relativement vierges, les plus profonds sont couronnés de gorgones. Posées sur une étendue de sable clair par 46 mètres de fond, les remontées rocheuses sont enrobées à leur base d'une construction coralligène aux formes tourmentées et aux couleurs ardentes. Les replis de l'architecture complexe sont autant de refuges pour les êtres discrets qu'abritent les fonds marins. Anémone rouge, Doris tricolore, Astérie rouge et Smithine corne de cerf. Les nombreuses niches, alvéoles et anfractuosités sombres que génère la structure calcaire sont des caches parfaites pour le crustacé célèbre qu'est la langouste. Révélées par leurs antennes striées et remuantes, elles occupent des cavités adaptées à leur taille, attendant patiemment l'obscurité de la nuit pour se repaître de petits bivalves et gastéropodes dont elles raffolent. Parfois, le coralligène se creuse d'un petit canyon à fond de sable et aux parois somptueuses. Un groupe de poissons à la silhouette sombre s'empresse d'atteindre les renfoncements obscurs de la paroi. D'un comportement sédentaire, les corbes profitent eux aussi des lacérations profondes et complexes du coralligène pour s'abriter. Tandis que nous reprenons de l'altitude en longeant le flanc des remontées, la forêt de gorgones s'épanouit sous nos yeux émerveillés. Les frondaisons écarlates étendent leurs délicates ramifications dans le courant, capturant au passage le plancton nourricier qui assure leur lente croissance. Regroupées en bouquets subtils, elles composent de magnifiques tableaux. Sur le tombant, un superbe spirographe joue les fleurs marines. Sa corolle plumeuse capture elle aussi les particules nourricières indispensables à sa survie. Et en cas de danger, le panache se rétracte instantanément dans son fourreau protecteur. Riche de ses trésors engloutis, le site des aiguilles de Paraggiola réserve bien d'autres surprises à son visiteur.